Visiblement, il n'y avait pas seulement que la presse qui avait rendez-vous ce mercredi 2 octobre avec le porte-parole du comité d'organisation pratique du 12e congrès du PDCI-RDA. Des militants et membres statutaires du vieux parti voulaient aussi des assurances sur la tenue effective du congrès après le son de cloche de justice. Nous les avocats, nous veillerons pour que lorsque chacun de vous un jour sera pris par le désir de l'errance politique, voudra traduire le PDCI devant les tribunaux, que vous soyez comme ceux qui viennent de sortir, humiliés par la vérité du droit et humiliés par la vérité politique. Des assurances du conseil juridique auxquelles s'ajoutent celles du comité d'organisation. Je voudrais, mesdames et messieurs, rassurer l'ensemble de nos militants, nos invités, les Ivoiriens et la communauté internationale, que le 12e congrès aura bel et bien lieu aux dates, heures et lieux indiqués. Les retardataires qui n'ont pu prendre leurs documents le feront sur place à Trècheville pendant le déroulement, bien sûr, des travaux. Les éventuels candidats au poste de président du PDCI-RDA seront traités sur le même pied par le comité d'organisation. Le 12e congrès aura certainement lieu et le point d'orgue de l'événement, l'élection du nouveau président, est prévue pour le troisième jour, le samedi 5 octobre prochain.